Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce soir, cette soirée très importante, le premier débat des chefs. Je me prépare à aller écouter ça religieusement et vous en faire un rapport tout de suite après. On est le 29 septembre 2020, 20h29, dans 31 minutes exactement. La soirée commencera. Pour plusieurs, on avance que ça ne changera pas l'opinion des gens. La télévision a une influence beaucoup plus grande qu'on peut le penser. La politique est devenue un sport très cruel avec Donald Trump. On a transformé la politique et la présidence des États-Unis en une télé-réalité. À tous les jours, il y a un drame, il y a quelque chose qui se passe. Toutes les télés sont rivées sur ce que Donald Trump a dit, sur ce qu'il va faire ou sur ce que les États-Unis vont faire. C'est un grand, grand spectacle, un grand déploiement depuis 4 ans. Donc, il y aura un grand intérêt pour ce débat, c'est sûr et certain. Il va être suivi probablement avec des chiffres records aussi. Et ça aura peut-être une plus grande influence qu'on ne pense. Naturellement, ceux qui sont dans un des deux camps vous diront que non, ça n'influence pas. Si tu performes mal, c'est sûr qu'on se dit, ben, c'est pas plus grave que ça, ça n'influence pas vraiment le vote ou l'opinion des gens qui se sont déjà fait une opinion, mais je pense que ça a une plus grande importance qu'on le prétend pour les perdants du débat. Et ça va être fascinant de voir comment ça va se dérouler ce soir. Naturellement, il y a eu toute une tuile qui est tombée sur la tête de Donald Trump. Gracieuseté du New York Times, qui est l'ennemi, juré de Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump n'a pas cessé d'attaquer le New York Times, donc c'est certain que c'est pas comme ça que tu vas avoir des couvertures médiatiques positives à ton égard quand tu n'arrêtes pas de dénigrer, de cracher et d'accuser les médias de tous les maux, alors que les médias, ils ont leur travail à faire, que ça te plaise ou non. Comprends-tu? Donc, on a sorti les fameux, on a mis la main, et Donald Trump n'est pas vraiment content de ça, sur 20 ans. C'est illégal. Il dit, c'est illégal ce qu'on fait sur 20 ans de rapports d'impôts qui étaient cachés. Et c'est là où on a vu que Donald Trump a déclaré des pertes pour presque 10 à 11 ans, des dernières 10 à 11 années. Donc, ça vient briser le mythe qu'il avait bâti, que c'était un grand homme d'affaires. Si tu déclares toujours des pertes, c'est parce que tes entreprises sont mal gérées. C'est soit un ou l'autre. Si tu déclares des pertes, tu n'es pas un bonhomme d'affaires. Si tu prétends que tu es un bonhomme d'affaires, il faut que tes impôts démontrent que tes entreprises sont profitables, ce qui n'est pas le cas dans l'histoire de Donald Trump, sauf pour à peu près 425 millions de dollars qu'il a générés avec The Apprentice, parce que dans le fond, ce qui a sauvé Donald Trump, c'est sa personnalité, c'est de vendre sa personne, de vendre son branding, sa marque. Mais en tant qu'administrateur, d'affaires en tant que tel. Pas beaucoup de succès, mais en tant que illusionniste, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Beaucoup de succès, 425 millions. C'est avec ça qu'il s'est refait un petit peu une santé financière. Puis ça, j'y reviendrai parce qu'il y a tellement... Le New York Times va arriver avec à tous les jours avec quelque chose là-dessus. Maintenant, on a appris que dans l'année 2016, Trump avait payé 750 $, oui, 750 $ en impôts. C'est pas beaucoup. Une infirmière ou un infirmier peut payer jusqu'à 17 à 20 000 $ d'impôts par année. Donc, ça n'en prenait pas plus pour que, naturellement, ça s'est passé, ça, cette histoire-là du New York Times, dimanche. Donc, 2 jours avant le débat, et ça n'en prenait pas plus pour que Biden et Kamala Harris publient, eux, leur déclaration d'impôt. Parce que c'est une tradition et Trump n'a pas voulu le faire. Et ça suscite beaucoup de questions. Surtout celle de l'influence des pays auxquels il a eu beaucoup de contributions ou il a peut-être eu des prêts de banques louches, on ne sait jamais, et qui pourraient avoir une influence sur sa politique extérieure. Tout est possible. Biden publie ses rapports de taxes et d'impôts, ses rapports d'impôts de 2019 comme contraste, juste avant le débat, il a publié ça aujourd'hui. Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, a payé près de 288 000 $ d'impôts fédéraux sur le revenu en 2019, selon des rapports qu'il a publiés quelques heures avant son débat mardi soir avec le président Donald Trump. Cette décision fait suite à un rapport du New York Times, dont je vous ai parlé, selon lequel Trump n'a payé que 750 $ d'impôts sur le revenu en 2016. L'année de sa candidature à la présidence et en 2017, sa première année à la Maison-Blanche.
Donc, deux années où il a payé 750 $. Biden et son épouse, Jill, ainsi que le colistier de Biden, la colistière, la sénatrice Kamala Harris, ont publié leur déclaration fédérale étatique de 2019 alors que le président fait face aux retombées politiques d'une série de rapports du New York Times sur les déclarations de revenus longtemps cachées de Donald Trump. Le Times a également rapporté que Trump n'a payé aucun impôt sur le revenu au cours des 10 des 15 années précédentes, précédant 2017, imaginez-vous. 10 des 15 années, il n'a payé aucun impôt. Le paiement de 287 693 $ par les Biden au gouvernement fédéral en 2019 a montré une baisse substantielle par rapport aux 1,5 million de dollars qu'ils ont payé d'impôts sur le revenu en 2018. Reflétant une baisse des revenus du livre de Joe Biden, sa décision de se présenter à la présidence et son congé d'un poste universitaire, on parle de Jill Biden, ici la femme, à l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie. Donc, elle a pris un congé de son poste universitaire. Donc, ça a baissé le revenu. Le livre se vend moins aussi. Après avoir payé 91 000 $ en 2016, l'année dernière, Biden, en tant que vice-président de l'administration Obama, les Biden ont versé 3,7 millions de $ au gouvernement en 2017, en grande partie à cause des revenus tirés des contrats de livres. Leur dernier rapport montre que les gains bruts ajustés du couple de 985 233 $ provenaient de son poste de vice-président du poste d'enseignante dans un collège communautaire de Jill Biden et de sociétés qui retiennent leur paiement pour parler et pour écrire, hein, parce qu'elle fait beaucoup d'argent avec ça, Mme Biden. Harris et son mari, l'avocat Douglas Hemhoff, ont payé 1 185 628 $ en impôts fédéraux et étatiques combinés sur des revenus de 3 18 127 $ Biden a agi de manière agressive. La campagne de Joe Biden a agi de manière agressive pour capitaliser sur les rapports, naturellement, les reportages du New York Times sur les petits paiements d'impôts de Donald Trump. La campagne a publié une publicité dans les médias montrant que les infirmières, les pompiers et les autres Américains de la classe ouvrière payent beaucoup plus d'impôts fédéraux annuels que les paiements d'impôts de 750 $ de Donald Trump, décrit par le New York Times. Trump a démenti le rapport du Times, le qualifiant de fake news lors d'une conférence de presse, mais il n'a fourni aucune preuve pour la réfuter. Donc, naturellement, c'est du n'importe quoi. C'est fake news, fake news, fake news, mais il est incapable de prouver que c'est faux. C'est ça un peu le problème de Donald Trump. Tout est fake dès que tu l'exposes, dès que tu le remets en question. « Ah, c'est des fake news, c'est des fake news, blablabla. » Avec la publication de leur déclaration de 2019, les Biden ont maintenant rendu public 22 ans de documents fiscaux remontant à la fin des années 90 alors qu'il était sénateur américain représentant le Delaware. Harris a publié 15 ans de déclarations de revenus datant de son passage en tant que procureur du district de San Francisco. Kate Bedenfield, directrice adjointe de la campagne de Joe Biden, a déclaré que la publication des documents montre un niveau historique de transparence destiné à donner au peuple américain la foi, la croyance, hein, une fois de plus que leurs dirigeants veilleront sur eux et non sur leurs propres intérêts. Ce n'était pas une fouille trop subtile face au refus de Trump depuis sa campagne présidentielle de 2016 de rendre public ses impôts sur le revenu des particuliers. Trump insiste depuis longtemps sur le fait qu'il n'est pas en mesure de fournir ses déclarations de revenus car elles sont contrôlées où elles sont encore enquêtées par la fameuse IRS, l'Internal Revenue Service, malgré qu'aucune condition légale ne l'empêche de les rendre disponibles. Donc, c'est lui qui crée cette idée-là qu'il ne peut pas le faire. Le Times a rapporté que Trump avait, en fait, fait l'objet d'un audit de l'IRS pour sa demande de remboursement de 72 millions de dollars en 2010, en réclamant ou en déclarant des pertes douteuses de 1,4 milliard de dollars en 2008 et 2009. Donc, on voit que c'est plus la même histoire, c'est plus la même campagne que 2016 où c'était Hillary Clinton qui était sous les feux des attaques qui venaient de partout. Donald Trump est le président sortant. C'est jamais facile d'être un président sortant. Et ça va déballer, ça va vraiment débouler toutes les histoires maintenant, hein, mais de toute façon, depuis 6 mois, ça n'arrête pas. C'est pas facile d'être un président sortant, surtout quand tu as attaqué tout le monde,
quand tu as traité tout le monde de tout ce que tu peux imaginer puis que tu les as tous traînés dans la boue, il faut que tu t'attendes à ce que la boue te revienne dans la face. Je vous reviens.